tous. Et tu connais la blague de mamie là, de la mamie qui fait peur à tous les voleurs? Eh ben c'est mamie Traillette. Eh ouais! Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va bien se marrer, comme l'intro, voilà. On va faire des petites blagues amusantes, drôles. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, générateur de blagues, voilà. Et c'est parti. Alors, donc la première, hein, voilà, celle que j'ai faite. Alors, quelle mamie fait peur aux voleurs? 5, 4, 3, 1. Mamie Traillette. J'ai une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché. Ha ha ha, MDR. Pourquoi est-ce que c'est difficile de conduire dans le nord? Parce que les voitures n'arrêtent pas de caler. Si vous avez compris celle-là, dites-le moi dans les commentaires. Alors, comment est-ce que la chouette sait que son mari... non. Mince, désolé. Je lisais celle d'après. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Bretons sont tous frères et sœurs? Parce qu'ils n'ont qu'un père? Oh, sans blague. Point, point, point. C'était drôle, mais pas tellement parce que, bah, je sais pas, voilà, c'était pas la meilleure blague, mais bon, on va en avoir plein d'autres. Je vais en voir pour en faire à peu près une cinquantaine. Et après, un petit bilan. Moi, je dis celle qui m'a plu le plus. Bien sûr, les blagues, je ne les connais pas, hein, voilà. Vous, peut-être que vous en connaissez quelques-unes, donc on continue. Pourquoi est-ce qu'on met tous les crocos en prison? Parce que les crocos deal. Ils deal des cigarettes. Comment fait-on peur? Comment fait-on pour allumer un barbecue breton? On utilise des braises. Ah, des bretzels. En vrai, ça va, c'est pas trop. C'est pas la pire. Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement? Parce qu'ils n'ont pas de fiche de paie. C'est rigolo. Je vais dire ça comme ça. Parce que j'ai plein de poissons. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo avec mes poissons. Alors, pourquoi est-ce que les Mexicains mangent-ils aux toilettes? Celle-là, elle est très connue. Parce qu'ils mangent épicé. Voilà. Vous avez compris. Que faisaient les dinosaures quand ils n'arrivent pas à se décider? Des tyrannosaures. Un dinosaure qui fait des tirages aux ors. Oh. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'un tennisman adore faire? Rendre des services. Bah! Pourquoi est-ce que les vêtements sont toujours fatigués quand ils sortent de la machine? Parce qu'ils sont lessivés. C'est bon, je suis encore en vie, mais j'étais lessivée. Voilà, vous avez tout compris. Pourquoi est-ce que les livres ont toujours chaud? Parce qu'ils ont une couverture. Elle est bien cherchée quand même, bien cherchée. Où est-ce que les super-héros vont-ils faire leurs courses? Je pense que vous la savez celle-là parce que c'est un peu logique, je suppose. Au supermarché! Allez, on continue. Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Le thon monte. C'est bon le thon. Quel fruit est assez fort pour couper des arbres? Les citrons. Tout rond. Les citrons. Elle est recherchée bien, mais en vrai, citron. Je ne sais pas qui a inventé le fruit citron, mais en tout cas, bah il a du succès avec cette blague, je pense. Quel est le jambon que tout le monde déteste? Le salami. Le salami. Que fait un cendrier devant un ascenseur?
5, 4, 3, 2, 1. Il veut descendre. Que dit une imprimante dans l'eau? Celle-là, je la connais. Et je pense que toi aussi, qui regarde la vidéo, tu la connais. Donc, je me noie, je me noie. Quoi? Ah non, ça c'est celle d'après. Que dit une imprimante dans l'eau? J'ai papier, j'ai papier. Que dit une noisette quand elle tombe à l'eau? Je me noie, je me noie. Une des bonnes noix. Alors, quel est l'aliment le plus hilarant? Ça, c'est facile. Le riz. Je ris à cette blague. Pourquoi est-ce que les moutons aiment le chewing-gum? Parce que c'est bon pour la laine. La laine. Au moins, ils ont... Ils sentent bon de la bouche, parce que je sais pas si un mouton, ça sent bon de la... Boue. Si ça sent bon de la bouche, parce que... Je sais pas, ça mange du foin. J'aimerais pas, en tout cas, me faire... un mouton me fasse bébé devant mon nez. Donc, voilà. Alors, on continue. Quel est le sport préféré des insectes? Facile. Le criquet. Quel est le café préféré des Espagnols? Le café. Olé! Olé, 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 toro, olé! C'est bien beau ces toutes petites blagues, hein? Bah oui, hein, c'est bien ces blagues. Mais bon, vous voyez pas. C'est à l'envers. Il suffit de mettre votre téléphone devant le miroir et le temps que je fasse ça, vous verrez. Exactement, voilà. Alors. On continue. Que fait Platon quand ça le démange? Alors, je crois que Platon, c'est un physicien ou un... C'est un truc dans le genre. Il Socrate. Je la connaissais, mais j'ai jamais vraiment tout compris, en fait, parce que je savais pas qui c'était Platon. Pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin? Facile, je vous laisse quand même 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Parce qu'il a la main verte. Alors, qu'est-ce que fait un hibou dans une casserole? La réponse est dans la phrase. Hibou. Mais c'est nul. Ça, c'est nul. Qu'est-ce qu'un mort qui coupe du fromage? Un fantôme. Ah, un fantôme. Ah, c'est rigolo. Je me marre. La tome, c'est un fromage. Alors, comment est-ce que les abeilles communiquent entre elles? Par e-miel. Ça, c'était claqué. Quel est l'arbre préféré des chômeurs? Le bouleau. Ça, c'était recherché. Et j'aime bien. Que dit-on d'une fleur qui a eu un zéro à son contrôle? Celle-là, je crois que c'est ma préférée. Elle s'est plantée. Ha! Comment appelle-t-on un jeudi vraiment nul? Une tragédie. Ça aussi, elle est bien, mais c'est pas ma préférée. Que fait un employé chez Sephora à sa pause... Que fait un employé de chez Sephora à sa pause clope? Du parfumé. Du parfum à la cigarette. Je ne sais pas si ça sentirait très bon. Qu'est-ce qu'une frite enceinte? Une patate sautée. Qu'est-ce qu'une lampe moche? Un laidon. Qu'est-ce qu'une lampe quand elle se fait agresser? Que fait une lampe quand elle se fait agresser? Elle crie à l'aide! Qu'est-ce qu'une poule? Est-ce qu'une poule peut parler anglais? Yes, chicken. Qui vit dans les tavernes? Celle-là, les hommes de bière. Ils doivent être sous. Avec toutes les bières qu'ils doivent boire. En cachette. Dans leur taverne. Dans leur taverne de bière. Oh. Allez, on continue. Ah, on est à la 40, plus de 10.
Quelle est la danse préférée des chats? Le cha-cha-cha. Bon, ouais, je crois que je la connais, la danse, le cha-cha-cha. Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau? Un bonhomme de neige en été. Mais c'est nul. Je sais pas. Des gens qui aiment bien ça. Voilà. Alors, on continue. Pourquoi est-ce que les bières sont toujours stressées? Parce qu'elles ont la pression. Bonjour monsieur, je voudrais une bière blonde pression. Une pression, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Quelle princesse a les lèvres gercées? La Belle au bois dormant. Il y a une marque quand même. Mais bon, j'aime bien la Belle au. D'ailleurs, il faudra que j'en mette. J'ai les lèvres gercées. Bon. Pourquoi est-ce que les poissons n'ont plus de maison? Parce qu'on les a détruites. Alors, elle est bien. Il y a le jeu de mots. Et au moins, on prend conscience de nos actes. Quand on marche dans l'eau, des fois, bah, on casse leur maison aux pauvres petits poissons. Voilà, les pauvres poissons, on leur casse leur maison. Pourquoi est-ce que le lapin est bleu? Parce qu'on l'a peint. C'est pas ma préférée du tout. Elle est trop recherchée, en fait. Voilà. Allez, on continue. Pourquoi est-ce que Potter est toujours triste? Celle-là, elle est connue parce que personne a ri à sa blague. Bah oui, le pauvre Potter. Comment appelle-t-on un combat entre un petit pois et une carotte? Un bon duel. Pourquoi est-ce que les éoliennes n'ont pas de copains? Parce qu'elles se prennent toujours des vents. Alors, il y a le vent du sud, le vent du nord, le vent de l'ouest et le vent de l'est. Oh là là, les pauvres éoliennes. Où irait Voldemort s'il décidait de jouer de la trompette? À Jascaban ou Jascaban. Et la dernière, allez, je vous en fais 5 bonus. Qu'est-ce qu'un cadeau? Non. D'où viennent les gens les plus dangereux? Danger. Je crois que Danger, c'est une ville. Je sais que c'est une ville. Mais je crois que c'est dans le sud, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'un cadeau qui s'en va? Une surprise. Parti! Youhou! Allez, hop, hop, allez, hop, hop, youhou! Une surprise, parti. Bon, allez, on continue. Tac, tac, tac. Alors. Quelle est la fée que les enfants détestent? Ça, celle-là, c'est ma préférée. La fée, c'est. La fée, c'est. Qu'est-ce qui est blanc puni dans un coin? Un vilain frigo. C'est trop recherché, ça. Quel poisson n'a pas de certificat de naissance? Ça, j'adore ce poisson. Il est trop bon. À la poêle grillée avec un peu de beurre. Le poisson pané, bien sûr. Quel est le médecin qui nous fait tous craquer? Perso, j'ai vu la réponse, je vous la dis après. Il me fait pas trop craquer. Des fois, ils sont beaux, les voilà, mais après, voilà, c'est pas mon médecin qui me fait chaud au cœur. Quand j'y vais, bah, je suis pas au mode, oh, youhou, je vais chez l'ostéo. L'ostéo, bah oui, nous fait tous craquer le dos, ça, on nous l'a tous fait. Comment? Ah, c'était la dernière. Voilà. J'espère que les petites blagues vous auront. Vous auront plu. Moi, si vous voulez que je vous refasse des blagues, je pourrais peut-être en faire en compagnie. Donc voilà, on s'amusera comme vous voulez. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous surtout. Voilà, je compte sur vous. Bonne journée, bonne matinée, bonne fin de journée, ça dépend quand vous la regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Une petite dernière. Qu'est-ce qu'un chou dans l'eau? Un chou marin. Allez, tchuss!